Bienvenue sur channel Bladi Info Sport. Si c'est vidéo Kimberly Pierre qui pourra porter pour vous un contenu qui est très intéressant. Lundi 18 décembre 2023, UEFA procédé à un tirage au sort 8e de finale Ligue des Champions saison 2023-2024. Nous connaissons affiché gagné yon première partie 8e de finale là. Ça a commencé 13-14, après une deuxième partie 20. Arsenal-Porto, Arsenal favori sur l'équipe Porto. Arsenal a fait une bonne saison dans la première ligue. Là. Arsenal a mis un joueur par rapport avec Porto. Arsenal 64. Lazio face à l'équipe Bayern Munich. Là. Même cas de figure, là. Bayern a un chiffre favori face à l'équipe Lazio de Rome. Là. Et puis, PSV Dortmund, yon duel poids plume, Dortmund archi favori sous équipe PSV Eindhoven. C'est ça qui gagne dans le tirage au sort, Ligue des Champions, saison 2023-2024. Ma rappelé, 13-14 février, 20-21 février, c'est match aller, match retour, 5-6 mars, et puis 12-13 mars 2024. Face à Atlético Madrid, Leipzig cap joue lui-même face équipe Real Madrid là, Lazio contre équipe Bayern Munich là. Inter Atlético Madrid, c'est choc, véritable choc, 8e de finale compétition ça. On a commencé avec affiche choc ça. Inter face équipe Atlético Madrid là. Ça pour ne pas oublier. Jodian, c'est 18 décembre 2023. 18 janvier, un mois, et puis, zone 13-14, c'est pral début 8e de finale. Ça veut dire presque 2 mois, Ligue des Champions lui-même là pour retourner. A toujours gagné une première considération, première analyse. Mais il y a un paquet de bagailles qui est capable de faire entre temps dans l'intervalle de 2 mois. Baisse de régime, équipe, blessure, en série de joueurs. Par exemple, Real Madrid perdu David Alaba pour toute la saison. Certainement, l'équipe Real Madrid a pensé recruter un défenseur dans le mercato hivernal. Il y a un paquet de bagailles qui est capable de changer. Il y a des équipes qui ne peuvent pas camper sous un yé depuis la saison a commencé. Ou capable dans la Ligue des Champions, yon métamorphose yon carrément. Analyse ça, c'est pas une analyse de manière définitive, ap gon série de l'autre analyse qu'a fait avant et 8e de finale Ligue des Champions, ça, parce que c'est pratiquement dans 2 mois, mais quand même, d'où y'a une première considération. Inter face équipe Atlético Madrid, c'est choc 8e de finale, ça. Inter, c'est normalement yon équipe qui mal joué quoi. Inter est dans le même groupe avec l'équipe Benfica, Sociedad, Salzbourg. Inter fait 2 matchs nuls contre l'équipe Sociedad là. Inter finit en 2e position. Inter TK évite et 2e place là. Et Inter TK est qu'on est la joindre une grosse équipe dans 8e de finale compétition ça. Et il tombe sur Atlético Madrid qui lui-même. Et dans le même groupe avec Lazio, il bat l'équipe Lazio en la dernière journée pour finir en première position. Donc, c'est pral un méga choc. Et Atlético Madrid, c'est pas quand même une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Contrairement avec Inter qui gagne la Ligue des Champions 64-65. Et puis, Inter gagne la Ligue des Champions en 2010. Inter 2001, saute fait finale Ligue des Champions saison 2022-2023. Son équipe qui est en santé, qui a mené championnat. Atlético Madrid, c'est vrai, alterner les bons, du très bon, par moment moins bon. Par exemple, le week-end que je passe là, je perds du coup d'équipe Atlético Bilbao. Mais c'est quand même une équipe qui est libérée, qui a joué un football de qualité. Je parle de Atlético Madrid, qui gagne Griezmann avec Morata, qui a fait de très bonnes choses pour eux. C'est pas une opposition du style, sur le plan tradition. Même les 2 équipes, yo, Atlético Madrid, Inter, gagne un souci pour jouer un football potable, un football offensif. Et, mais Simeone, nous connaissons, M. Van Zoutil, il n'est pas oublié, mais
Et Ligue des Champions, c'est sous détail, et c'est des matchs stratégiques. Faut me faire tout ça, me connaît pour me battre un goal, me battre jouer la caille, moins, pour me capable de renverser la situation, s'il pas d'avantage avantage, moins. Mais c'est pas quand même un gros choc entre deux équipes football, ça, yo. C'est même style, là, même le gros souci, jodian, là, pour, et Atlético Madrid un football de qualité. Et l'autre, Inzaghi, c'est quand même un football qui est différent de pas compter. Mais c'est football italien quand même, c'est football du fer, là, catenaccio, solide, là, le pouillot solide. Donc c'est pas quand même un gros test pour Inter et pour l'équipe Atlético Madrid, là. Mais moi, bye, Inter, y a un petit avantage et sous équipe et Atlético Madrid, là. Surtout Inter, c'est finaliste. Dernière édition, hein, équipe là prend une dimension en plus. Donc, Inter de Milan a un petit avantage sur l'équipe Atlético Madrid là, et 51-49. City Copenhague. City, généralement, toujours joignant un poids-plume dans 8e de finale et Ligue des Champions. Donc, il pourra le jouer contre l'équipe et Copenhague là. Copenhague qui était dans le groupe Bayern Munich, Galatasaray et puis Manchester United, ils ont fini en deuxième position, ils ont battu dans la dernière journée 1-0 équipe Galatasaray là. City lui-même, c'est seule équipe avec Real Madrid qui fait le plein en dedans et groupe Paris dans la Ligue des Champions. Donc City, c'est archi favori. Hein? Donc, ou capable même dit tout, c'est en 70-30 pour respect football là, ou pas capable aller plus loin que ça. Mais City, c'est gros favori pour gagner la Ligue des Champions. On n'a pas même besoin de parler de Copenhague. Donc, et c'est à supposer une formalité pour l'équipe Manchester City. Hein. C'est à supposer une série côté Haaland et pour faire goal au pluriel contre l'équipe football. Ça. Real Madrid, Leipzig. Real Madrid dans une situation compliquée. Et Real Madrid perdu à la barre, perdu Courtois. Maintenant, c'est tout pas. Tonton Sarah qui lui-même, il est à la barre, qui est blessé. Et dans le dernier match Real Madrid contre Villarreal, déjà, il était perdu Militao. Donc, Real Madrid connaît pratiquement trois ruptures, évidemment. Et saison 2023-2024. Qui ça Real Madrid pourrait le faire? Certainement, Real Madrid pourrait le faire, il y a un défenseur. Parce qu'à la base, c'est quand même un joueur très important. Même l'autre a utilisé Nacho, ou t'as fait Tchouaméni. Et jouer, Pabi Nacho, c'est un dépanneur, son joueur qui est sous banc, donc de ce fait, trois bons joueurs qui doivent sous banc. Sous Tchouaméni, où tu as fait Toni Kroos jouer avec Valverde en double pivot. Et Kroos Valverde en double pivot, donc pas de problème, mais Ligue des Champions sans plus d'intensité. Tchouaméni, Ancelotti dit que c'est première option comme défenseur central, et Tchouaméni dit qu'il va même jouer en défense. Donc là, si je lance des dépanner, là, dépanner, les 10 lignes, pas jouer en défense, ça a poussé Real Madrid à aller en défense. Donc, je suis curieux pour moi qui ça Real Madrid a fait dans le mercato, ça. Donc, Real Madrid contre Leipzig, un beau test, mais Real Madrid a chez favori sur l'équipe Leipzig là, et même le Leipzig est capable de déranger n'importe qui monde la Kylie. Il y a quelques bons joueurs, Xavi Simons, Luis Openda, mais Real Madrid, c'est que le Ligue des Champions, qui connaît la Ligue des Champions? Eh bien, Real Madrid, c'est gros tonton favori pour mettre ça. Barcelone-Naples. C'est l'autre affiche que je choisis. Barcelone, dans une situation compliquée. Match nul contre l'équipe Valence le week-end, ça. Mais, ça va vous comprendre. Qu'à Barcelone, il a changé. Barcelone, il y a un joueur. C'est vrai, joueur, baissé considérablement, mais il n'y a pas qu'un bagage qui est capable de faire. Pas oublier, moi, dis nous, c'est 13-14 février, 20-21 février, match aller, match retour, 5-6 mars, 12-13 mars. Donc, il n'y a pas qu'un bagage qui est capable de changer. Il n'a pas fait une très bonne saison. Il n'a pas fait une très bonne saison, même le Osimhen. Ici, ce que colle. Barcelone va faire une très bonne saison. Mais avantage de Barcelone gagne un bel effectif. Je pense que Barcelone est capable de rebondir dans la Ligue des Champions. Ça. Surtout contre l'équipe Naples.
Mais Barcelone 60-40, Barcelone favori sur l'équipe Napoli. Non, et première analyse sur tirage au sort et Ligue des Champions. Moi, c'est son tirage qui est abordable pour Barcelone parce que ce n'est pas Inter-Barcelone, je ne sais pas Paris. Moi, c'est l'équipe Sao est beaucoup plus difficile que Naples. Donc, Barcelone, j'ai un beau tirage pour moi. Paris Saint-Germain face équipe Sociedad là. Je pense que Paris bien sorti. Dans ce tirage, il était capable de jouer plus mal parce que Paris était capable de jouer Bayern, City, Barcelone, Real Madrid, Arsenal. Donc, c'est tout le monde qui était capable de jouer. Il n'y a pas de capable de jouer avec d'autres monde qui était dans Poulio. Mais après ça, qui tout prend et Barcelone qui est leader de groupe, Bayern leader de groupe, Real leader de groupe, et Arsenal leader de groupe, je ne vais pas mentir, jouer une Sociedad ou bien sorti. Sociedad, c'est une équipe qui joueuse, mais Ligue des Champions, c'est expérience. Parce que Paris bien sorti. Non, tirer ça. Paris plus bien sorti que ça. Parce que l'on pas tombé sous Real, City, Bayern, ou même by 3 ça yo. Arsenal, ou t'es capable de dire, ok, c'est après un choc, mais plutôt c'est Arsenal qui joue que le joueur Real avec Bayern et City. Donc là, l'on tombe sous Sociedad, c'est quand même un bel tirage pour l'équipe Paris Saint-Germain. Sociedad, c'est une équipe qui est joueuse, mais qui naïve tout. C'est pas un petit plaisir, non, pour l'équipe Paris Saint-Germain. Il faut faire très attention. C'est pas un qualification pour quart de finale automatiquement non pour Paris Saint-Germain. J'aime en pile moun a parlé de ça. Mais ça fait moun parler de tirage abordable pour Paris parce que t'es capable de gagner mal que ça. T'es capable de gagner mal. Eh bien, jouer Sociedad, je pense que c'est quand même un tirage correct pour équipe Paris Saint-Germain. Moi bah Paris ont un avantage 55-45. Moi bah Paris ont un avantage 55-45 parce que c'est vrai, Paris naïf comme équipe, mais Sociedad non seulement naïf, mais qu'on expérience Ligue des Champions et que le Paris est. Arsenal Porto, Arsenal favori sur l'équipe Porto. Arsenal a fait une bonne saison dans la première ligue là. Arsenal a mis un jour par rapport avec Porto. Arsenal 64. Lazio face équipe Bayern Munich là, même quatre figures là, Bayern un chiffre favori face équipe Lazio du Rome là. Et puis, PSV Dortmund, yon duel poids plume, Dortmund archi favori sous équipe PSV Eindhoven. C'est ça qui gagne dans le tirage au sort, Ligue des Champions, saison 2023-2024. Ma rappelé nous, 13-14 février, 20-21 février, c'est match aller, match retour, 5-6 mars, et puis 12-13 mars 2024.